chier un peu, mais je pense Carey. Parce que c'est pas mal l'un des meilleurs. Si on regarde dans le temps, c'est peut-être pas les mêmes gardiens. Maintenant, il est gros, il est agile. De l'ère moderne, c'est pas mal l'un des meilleurs. Puis je pense que de toutes les gardiens qu'il y a eu, ben, même si ça se compare pas, là, je pense que c'est un des meilleurs qui a passé. Probablement Lidstrom. Je pense qu'il va de soi, de réputation, que c'est tout qu'un joueur. Puis c'est ça. Ouais, Bobby Orr. Puis encore une fois, juste parce que je pense qu'il était bien spectaculaire, puis ça a été un grand joueur de l'histoire. À l'avant, Maurice Richard. J'ai écouté le film, je pense que j'étais même si je ne l'ai pas vu jouer, il a inspiré un peuple au complet. Puis c'est quelqu'un qui a fait des grandes choses, donc je pense que c'était pas un mauvais joueur non plus. Mario Lemieux, parce que c'est un des gars que j'ai vu qui me faisait le plus triper sur la glace, un magicien. Puis juste incroyable. Puis Joe Sakic, parce que c'est le gars le plus clutch de l'histoire. Là, il y a plein de buts en overtime. C'est un gars que tu veux avoir dans ton équipe quand la game est sur la ligne.